faisons les annonces en binôme. Souvent, il existe un délai entre le moment où le diagnostic est évoqué ou suspecté fortement cliniquement et le moment où on rend le résultat de la recherche génétique. Moi, je rends plutôt la part du coup génétique avec l'explication de la mutation qui est identifiée, des conséquences que ça a pour le patient, pour la famille et pour sa descendance. Après, c'est vrai que la confirmation d'un diagnostic ou l'annonce d'un diagnostic, c'est un choc. C'est une réponse, mais qui soulève beaucoup de questions. Et pour nous, le fait d'intervenir à deux, et moi avec ma spécialité de cardiologue, c'est de repartir avec des cartes et un projet thérapeutique personnalisé qui a parfois déjà été initié, si on avait déjà des anomalies cardiologiques, ou qui est initié à ce moment-là. Ça nous semble être un moment qui est vraiment très important, c'est-à-dire le tourner vers l'avenir et vers finalement un projet de vie qui va être accompagné. Les patients qui le souhaitent ont aussi la possibilité de pouvoir rencontrer la psychologue du service, Madame Jarret, que ce soit au moment de l'annonce ou lors de l'attente des résultats ou après dans le suivi.